Pourquoi on précise toujours de la comédie française ? Bonjour, moi c'est Jérémy Maire de Télérama. Et ça c'est Laurent Lafitte de la comédie française. Sur les affiches de films, dans les bandes-annonces ou dans les génériques, certains acteurs et certaines actrices sont mentionnés de la comédie française. C'est pas pour frimer, c'est parce qu'ils y sont contractuellement obligés. Cette soixantaine de comédiens et de comédiennes sont employés par Le Français, c'est comme ça qu'on dit. Ils rejoignent la troupe après une audition, une validation par leur père et un décret du ministère de la Culture. Ils sont rémunérés par cette institution fondée en 1680, mais il aurait aussi possible d'aller voir du côté du cinéma ou de la télévision, à quelques conditions tout de même. Les sociétaires doivent demander une autorisation de congé à la troupe. Si Le Français leur accorde, le règlement intérieur les oblige depuis 1995 à mentionner de la comédie française. Ça donne un gage de qualité non négligeable au film ou à la série. Ça évite que les comédiens et les comédiennes fassent n'importe quoi puisque la comédie française a un droit de regard sur le projet.